Fréquentation en hausse de 10%, exposants et visiteurs satisfaits. Retour sur cette édition 2015 du salon Serbotel qui bat tous les records. Bonjour, bienvenue au Serbotel 2015. Le Serbotel pour nous est un moment de convivialité qui est important auprès de nos clients. Ça nous permet de les rencontrer et de discuter avec eux du métier, mais aussi de passer un bon moment. Serbotel, c'est un rendez-vous très important parce qu'on reçoit nos clients qui nous font confiance toute l'année, notre capital, parce que le capital, ce sont nos clients. Et puis, on voit de nouvelles têtes, on voit des jeunes aussi qui viennent s'intéresser, qui s'intéressent et qui demain seront nos clients. Alors, vous êtes sûr que faut bien aller comme ça, là, hein? Oui, d'accord. Alors nous, on est super heureux d'être là, c'est la première fois. C'était vraiment pour nous l'occasion d'aller à la rencontre de nos clients. On a des retours extrêmement prometteurs des clients qui nous disent c'est bien d'être là, on avait besoin de vous voir, de vous rencontrer. Alors, je pense qu'on reviendra dans 2 ans parce que c'était super sympa. On a été très très bien accueillis au Serbotel à Nantes ici. Je vais vous faire une petite démonstration concernant cette machine à laver qui a reçu hier au soir le prix d'innovation Serbotel. On présente cette innovation au restaurant du futur qui est vraiment une innovation mondiale parce que c'est la première fois qu'au travers d'une vitrine tactile, on a intégré un moyen de paiement. De se réapproprier différemment l'image qu'on avait de cette graisse de canard. Le plus sensible par les temps qui courent, qui est ce que paye le consommateur hors domicile. Le challenge de notre projet aujourd'hui, c'est de créer un process industriel. Bienvenue aux Ordres de la Mer. Le concours Jeunes Talents parrainé par Interbio. Alors bienvenue à Paris Sack Up 2015. Merci à tous les candidats d'être présents. Le Giro Pizza, c'est une compétition avec plusieurs étapes en Europe. À Nantes, c'est la première étape de le Giro. Avrà un risultat optimale. Thibaut Savoin, le Ballon d'Or est attribué aux Pays-Bas.